Je dis à la conférence, ça, c'est une conférence tout à fait spéciale. C'est la quatrième conférence nous pour l'année. Et comme nous te promettons, à bonne surprise, avant moi, janvier a fini, nous faisons accouchement, nous faisons césarienne. Chelson, à deux reprises, il était venu dans le tribunal. Et puis, vendredi 20, nous s'était joint libération. Libération Chelson, c'est une victoire sur l'arbitraire. C'est une victoire sur nèg qui gagnait l'argent et qui cap manipuler moun pour faire des autres pour lui. Le procès de Chelson ça non, c'est un procès historique. C'est un procès qui pour tracer exemple pour gens de bagay arbitraire ça yo pas arriver encore. Et procès ça il doit permettre nous faire ça que c'est nous-mêmes qui fait verbe ça oui désespéranciser le système judiciaire. La désespérancisation de ce système que Pierre Espérance mettait en bas pour être lui depuis plus que 20 ans l'écraser structure judiciaire là et la police la faiblit you ensemble de institutions que nous cité là parce que monsieur Pierre Espérance tout le monde connaît que il pas gagne aucune instruction il pas aucune formation même de base et commissaire a été exprimé ça clairement il pas gagne rien comme notion qui t'a pas permettre de capable reculer face à une situation. Donc c'est un devoir de pour la moralité pour que Chelson Sanon pote plainte avec une équipe moun qui doit accompagner supporter et ça fait nous tout dit que bataille nous mener pour nous libérer Chelson son bataille nous fait de façon volontaire. Nous pas faire pour publicité. Nous pas faire pour nous joindre views. Nous pas faire pour que nous demandions Chelson pour marcher avec nous, pour nous servir avec elle comme un cobaye que nous a passé, mais Chelson. Non. Nous avons constaté que Chelson sont victimes, même gens avec nous. Et malheureusement pour lui-même, Chelson passé dans la prison 9 ans. 6 mois, 20 jours. Si nous voulons nous convertir en heure, minute, seconde, pour être qui quantité de temps un jeune garçon perdu dans la vie. Dans un pays sérieux, un pays moderne, après 10 ans en prison, Chelson était supposé sortir avec une profession. Dans prison moderne, l'on jeune conscient qui est en prison, il était doué sortir à une profession. Des gens ont été rencontrés à l'étranger qui étaient anciens prisonniers. Dans la prison étant, il est diplômé en agronomie et lui fait doctoral par la suite. Donc ça veut dire que 10 ans ça, sont 10 ans qui gaspillaient, sont 10 ans qui gagotaient, sont 10 ans qui détruisent. Je vais rappeler nos balais, mes amis. Pierre Espérance, en tant qu'un corrompu, licencié, pendant n'a goumé pour mettre Chelson dehors et commissaire Lafontaine dit ça monsieur entreprend des démarches maladroites indécentes li écrit Chelson ça non li al en prison peut-être on ça dit monsieur pas cité nom moi reconnaître que ça me fait là son mal eh bien comme commissaire a dit prends ça pour moi pas cité nom. Sous fait ça, on va craser RNDDH. On va détruire RNDDH. Et sous pas citer nos mots, ou pas faire aucun scandale à ça, m'a plagé dans prison. Et puis m'a bon visa m'a faut quitter pays. Et ça c'est pas vous et monter mes amis. Déclaration ba nous là. Moi gagner voix, moi gagner texte. Nous gagner message.
moi écrit plus que 15 autorités en de pays et à l'étranger. Après plus que 52 ou 3 conférences, pour nous faire part de ça. Et Chelson gagne notre ça de bien expérience. Ce qui est plus intéressant, c'est que vous verbalisez. Moi, j'ai payé un juge. Bah, il me devait assurer que Chelson est en prison, même quand il parle avec moi. Donc, il faut qu'on juge quand il fait constat de Chelson dans la prison. C'est que nous, t'es fait avec un juge de paix, et avec un tout gros fili, t'es fait ça. Déclaration persévérance fait Chelson. Chelson verbalisé. Le commissaire a dit ça, le commissaire a dit tout dans le monde. Donc, ça, comme on dit nous que c'est un procès historique que nous allons faire. Pour nous remanier le système. Ça qui est plus grave là encore. Chelson t'est enlevé et me dit encore, c'est un cas de kidnapping et de séquestration. Il kidnappait, il séquestrait. Pendant 10 jours dans l'hôtel, il n'a pas eu accès à personne. Moun. Et il y a un vol qui fait. Il prend le téléphone, monsieur. Il a dit qu'il y a un vol. Il volait mon iPhone 4. Jusqu'à présent, téléphone en main, ou bien Marie-Hélène, ou bien Pierre Espérance. Donc ça a un vol là, une séquestration là. Kounia là, pendant le hôtel qu'on était là, il n'y a pas eu contact à personne moun. Mais ça, c'est un kidnapping. Pour parler à un monde, pour joindre un numéro de téléphone, c'est Marie-Hélène Gilles. Qui portait téléphone à Bali dans l'hôtel Belle Lune Pétionville d'après déclaration Chelson. Donc on a rien pour nous dire. Dans ce sens ça qui moun qui capable de dire que ça c'est pas un kidnapping. Commissaire Lafontaine décrit situation et il peint un tableau. Et dans le tableau, ça a une Pierre Espérance avec un paquet d'autres monde. Et le commissaire Lafontaine, victime de comportement par rapport à dossier, parce que lui-même il est campé derrière la loi. Il a fait plusieurs offres, demandes. Il y a la Kaili. Quand ou son avocat, Pierre Espérance dit que c'est l'avocat à l'Evob. Droits humains. Et ça, le commissaire a dit. Il dit que c'est moi qui ai défendu Vob, pas mettre mandat derrière yo. Soumettez mandat, retirez mandat. Retirez mandat des gens qui étaient dans affaire de transaction, trafic d'armes, bagarre illégale qui a détruit la société. Donc, pour me dire que Pierre Espérance te prend le système de justice en otage. Et pas sans raison, je dis que faut que nous désespéranciser le système judiciaire. Donc, il faut enlever Zago, empreinte, ok, baf, Pierre Espérance, sous bagaille ça. Et par exemple, l'autre côté, M. Ferro, c'est dans la police et la justice. Ma bonne histoire. Excusez-moi, ma petite histoire est longue. Pas trop longue, non, mais. Il y a une élection qui fait pour vous voyez un représentant CSPJ. Pour vous voyez un représentant droits humains qui prend siéger dans CSPJ. Élection en fait, moi j'ai une copie lettre yo là. On ka prend yo pour monter nous après. Yo fait élection, yo nommé un moun qui pourra représenter organisation de droit moun yo dans CSPJ. Pierre Espérance bloqué. Si menti, relé organisation droits humains qui te fait élection. Mandé procureur là, pas procureur non, et protecteur citoyen. Là bas non plus de détails sur ça. Monsieur dit, moun sa pa pral siéger, c'est moun qui l'a pris tout kembe, m'pa nan fè élection. Et Pierre Espérance me relé. Nye kob nan même, la justice prend nan même, la police prend nan même, mais je vois qui moun qui ka fait ça. Donc, c'est pas sans raison, nous dit que faut yo retirer mes avo griffe Pierre Espérance en dans la justice là. Et c'est ça qui commence à faire là. Donc, c'est des juges corrompus que Pierre Espérance te mette en bas boil. Donc, il faut nous désespéranciser le système judiciaire encore, mes amis. Donc, pour raison ça, l'ensemble de monde qui est victime de actes malhonnêtes, criminels,
Pierre Espérance fait yo, nous mettons campé au mouvement que les collectifs des citoyens victimes du RNDDH. Qui est pour nous dire qu'on vive RNDDH. Et dans le jour où nous avons l'organisation a lancé à travers tout le pays et tout le monde qui est victime de malfaiteurs, ça, de criminels, ça, nous demander pour que lumière faite sur tout crime. La Pierre Espérance mandé ministre pour classer sans suite toute plainte nous, ça a le dit. Nous demandons pour que procès tout ça fait dans le pays là que vous accusé nous. Parce que nous gagnons tant que Enol Joseph, Enol Florestal, monsieur, excuse-moi, c'est un homme qui s'est bras droit de Pierre Espérance qui montre tout dossier à monsieur. Là, nous faisons enquête par nous, nous venons nous, moi je écris commissaire gouvernement, moi je dis, moi prêt, en fonction de l'information que nous détenons, je demande pour faire procès à la Saline. Je demande pour faire procès à Gang 4x4. Je demande pour faire le procès à Delma 32. C'est même bagage ça, Pierre Espérance demande pour classer sans suite, mais pour sortir faire rapport. Yo. Ou pas quand tu fais un rapport, demander pour nous faire procès à, ou même, ou dit, classé sans suite. Donc, c'est tout bagage ça. Nous même nous dit que nous allons porter une autre plainte encore, une plainte collective. Sur tout ça, nous dit là. Il faut Pierre Espérance venir dire la justice pour qui ça te demande classer dossier sans suite. Pour qui ça te demande retirer mandat yo. Pas mettre mandat derrière tel et tel, parce que mon ça se protéger, c'est moi qui travaille pour vous. Et m'a rappelé. Le Pierre Espérance, le commissaire. Et 300 000 dollars, oui. Son enveloppe 50 000 dollars, était prêt pour le commissaire là. Et m'a dit, le commissaire a ceci. Bon diable, le commissaire, on château, le. L'idée refusée comme ça. Le Pierre Espérance, t'es fini pour comme dans BM Pata. Les guerriers Henri, journalistes, t'as pas mis le dossier à dehors. C'est un ami soudel malgré là on l'autre ami nous pour aller casser dossier à bouli oui ah, mais c'est comme ça le fonctionner il pas d'accord tribunal fonctionner il y a deux sacs l'argent en mail depuis le besoin corrompu il mettait l'argent de yo et dans ce sens ça nous même nous dit Jackson libéré bataille a pas fini parce qu'il y a monde qui est victime mais si tout le monde qui est victime de Pierre Espérance c'est en cours